Hakimi, mais applaudis-moi mon frère. Hakimi, c'est le génie africain, c'est la mode. Le celui-là, gars a fait fort. Celui-là, c'est l'inspiration de la vie. Ça, jeunesse. Les gars sont forts. C'est l'inspiration. On dirait que indomptable Camerounais africain, le lion, le continent camerounais était fort, mais Hakimi nous a sorti le number one. J'ai plutôt envie de lui attribuer une identité. Oui. C'est. On dit souvent un panafricain, il n'est pas panafricain, il est plurafricain. Parce qu'il a mélangé la sagesse, il a mélangé l'intelligence, il a mélangé le voix aussi. Hakimi, non, tu as fait ça fort, mon frère, tu as fait ça fort. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur Analyse et Décryptage Net, c'est toujours sur Question de Temps de Télévision. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui une perle, un garçon tout à fait différent. Il est beau, il est intelligent, il est élégant, c'est le goût des filles d'étudier, c'est ça? C'est surtout ça, parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je suis comme le vous l'avez dit là. Non, le mignon, mais alors, toute ma richesse est entre les mains de ma mère. Ok, bon, en fait, il s'appelle Linkomasa. Linkomasa, c'est un ouet comédien camerounais, un autre. La dernière fois, nous avons reçu sur le même plateau Christian qui était également un jeune camerounais qui sort la tête de l'eau et qui est déjà assez populaire. Aujourd'hui, nous recevons donc Linkomasa. Donc, habituez-vous à ce talent, habituez-vous à ce génie camerounais. Est-ce que tu peux faire comme Hakimi, mon frère? Hakimi, c'est parce quelqu'un... Parce qu'il faut qu'on parle peu, qu'on parle bien. Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que tu peux faire comme Hakimi? C'est quand même vrai que ces choses-là, il nous a surpris. Parce qu'on dit souvent, quand on aime, c'est pour le meilleur et le pire. Mm-hmm. Mais ce gars, lui, il aimait pour le pire et le pire. Parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui a inspiré un enfant de 24 ans. On dit que la sagesse appartient au vieux, à la vieillesse. Mais une jeunesse qui se transforme en baobab en si peu de temps et qui met à terre malgré ses options, elle guérit son emballage et tout son anan. Le gars a mis le but. Ok, c'était Linkomasa. Donc nous allons lancer immédiatement le sujet du jour. Linko, on va commencer par quoi? On a deux sujets chauds sous la main. Mm-hmm. On a la dépigmentation de la peau. Oh, le jang sang. Voilà. Oui. Nous les hommes, nous aimons les peaux de fleurs. Le genre que les ongles sont comme ça. Ça brille. Oui, les ongles sont comme ça. Et puis, tu vois, le nyanga, les mèches brésiliennes qui tombent jusqu'aux fesses là. Et puis, voilà. Qui ont tout d'artificiel. Oui, les filles, bling. Voilà, justement. Donc, voilà. Nous aimons donc les filles qui brillent, les filles qui sont brunes. Car est-ce que toi aussi tu aimes les filles brunes? Parce qu'apparemment, c'est la tendance. Tous les hommes aiment les filles brunes. C'est que dans ce qu'on appelle filles claires de peau là, il y a celles qui sont naturelles. Il y a celles qui sont surnaturelles. Parce que moi, je les appelle les surnaturelles. Parce qu'il est inconcevable qu'aujourd'hui, que tu sois ma soeur ou une amie, tu es noir, peau d'ébène, et puis bang, tu es le sujet après 2 ans, quelques années, tu es blanc. On passe comme ça, je ne te reconnais pas. L'image qui passe à l'antenne, vous allez observer, Linko, je t'invite à regarder cette image. Oui. C'est justement une africaine qui est en train de d'amener avec force, avec fracas. C'est le chef du village. Parce que paraît-il, elle serait transformée. En fait, c'est le fantôme est revenu au village. Les villageois se sont dit, le fantôme est arrivé. Comment et qu'est-ce qui s'est passé? On va donc voir le chef du village. Linko, comment analysez-vous cet aspect de la chose? Moi, en tant que stratège et je vais dire spécialiste de la peau et du changement climatique, je vais simplement dire que cette fille est victime d'une doctrine qui est autre que celle de l'Occident. Oui. Alors, elle a dû copier l'Occident sans savoir qu'ils sont nés comme ça. Voilà. Elle est arrivée là-bas, voulant les impressionner, elle s'est dépigmentée. Et quand on se dit dépigmentée, c'est qu'elle a lavé la peau. Oui. La peau qui était noire est devenue brune. Mm-hmm. Ça veut dire que même si elle se blesse, on peut plus faire, on peut pas couvrir la peau là facilement. Oui. Du coup, même si le moustique pique sa peau, ça fait de graves problèmes. Mm-hmm. Alors, quand elle atterrit comme ça dans son village, alors qu'elle est absente,
temps, durant de longues années. Et quand tu es revenu au village, on ne la reconnaît plus, le fantôme est arrivé au village. Oui, ça arrive. Il fait chaud, excusez, tu sais, tes oiseaux, c'est chaud. On a pris des potions magiques pour vous mettre aussi chaud. Donc, excusez. Non, ça va aller vite. Ça va aller vite cette émission. Cette demoiselle, oui. Doit s'expliquer devant la chefferie. Oui. Parce que on n'arrive pas à croire, à comprendre que nous avons, on appelle ça chez nous, une lignée. Une lignée. La lignée, oui. La, voilà, voilà. Personne voilà. N'a jamais été clair de peau. Mm-hmm. Bonjour, en un moment, bam, tu es Shakira. Mm-hmm. Bam, tu es Coco Emilia. Mm-hmm. Tu es clair de peau, c'est inquiet. Ouais. On veut savoir, est-ce que c'est toi? Est-ce que ce n'est pas toi réellement? Donc, nous allons rapidement prendre les impressions des uns des autres. Nous avons demandé, nous avons baladé nos micros à travers la ville de Yaoundé pour avoir des avis des uns et des autres sur ce sujet de dépigmentation de la peau. Donc, je vous invite à regarder. Chers téléspectateurs, de rester toujours câblés, scotchés au programme des questions de temps. Télévision, votre jeune télévision qui monte en puissance. Nous sommes en direct de l'hôtel de ville de Yaoundé. Aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre de ce premier couple de DJ au Cameroun. C'est phénoménal, c'est monumental. Alors, c'est une spécialité question de temps télévision. Oui, c'est récurrent dans la société. Nous remarquons généralement que les femmes se décapent. Généralement, sur le plan sanitaire, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que si une femme se décape, elle perd ce qu'on appelle la mélanie. Donc, en cas d'intervention chirurgicale, elle aura du mal à retrouver la santé, de un. Et de deux, généralement, c'est l'influence de la société et le fait, ce qu'on dit souvent, le suivisme moutonnier. Parce que ma copine, elle est brune, moi aussi, je dois devenir brune. Et sur le plan religieux, si une personne se décape, ça veut dire que la personne ne respecte pas la créature que la divinité a décidé d'incarner vis-à-vis de la personne. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est favorable. Le décapage, moi je pense que c'est pas bon pour la société. Et c'est quelque chose qu'on doit peut-être proscrire même. Parce que sur le plan sanitaire aussi, ça a des influences néfastes. Interpellez mes sœurs, de ne plus se décaper de un. Parce que ça nuit sur le plan sanitaire. Et de deux, si c'était favorable, le ministre de la Santé ou bien du Commerce n'allait pas proscrire ça. Vu que le gouvernement même n'est pas favorable vis-à-vis au décapage et que la société également n'est pas favorable, je pense que mes sœurs ne doivent pas se décaper de un. Et de deux, chacun doit peut-être chercher un dermatologue et spécialiste qui peut peut-être le conseiller de prendre tel produit qui peut aller avec son teint et qui ne peut pas décaper son teint. C'est ce qui est favorable. Et si par exemple on incite une petite fille qui est en seconde d'aller chercher 15 000 pour se décaper, hein, ça veut dire qu'on incite cette jeune fille à aller faire des choses qui ne sont pas favorables vis-à-vis de la société. Peut-être se prostituer, peut-être arnaquer des gars. Hein. Si vous arnaquez en retour, le gars va chercher aussi à vous faire quelque chose qui n'est pas favorable. Donc les parents aussi doivent mettre la main dans la pâte. Ce n'est pas uniquement le gouvernement ou les enseignants qui doivent éduquer. Les parents également. Si vous voyez par exemple votre fille qui est en train de se décaper, interpellez votre fille. Dites à votre fille que ce n'est pas favorable vis-à-vis de la société. Vous parlez d'une jansang. Moi personnellement, j'aime le naturel. Personnellement, donc, le conseil que je peux donner à mes jeunes sœurs, c'est d'être toujours naturel. Puisqu'avec le Njansan, quand on fait trop de Njansan, à un moment la peau se fatigue. Si, par exemple, tu peux avoir tombé malade et on veut t'opérer, ta peau devient fragile, ça cause d'autres problèmes. Donc, le seul conseil, c'est d'être naturel, petite sœur. Je pense déjà qu'il faut s'accepter naturellement de la façon dont Dieu nous a créés. Je pense que personne ne devrait avoir honte de cela. Je pense que le décapage relève d'un complexe d'infériorité en fait. Parce que je pense que quelqu'un qui est né naturellement noir, qui se décape, c'est quelqu'un qui a des complexes d'infériorité. Je pense même à la longue que le décapage est mauvais, déjà parce que c'est d'abord une question d'esprit. Parce que quelqu'un qui est noir, qui décide de se décaper, c'est, je sais pas, il a d'abord ce complexe d'infériorité et ensuite, comme je l'ai dit, il faut savoir s'accepter naturellement.
Et je pense aussi qu'à la longue, même sur la santé, ça impacte beaucoup. Parce que j'ai récemment appris que les produits de décapage contiennent des produits cancérigènes. Donc c'est un truc qui est d'abord dangereux pour elle-même. Et je pense qu'aussi à un niveau, c'est ce qui nous freine en Afrique. Parce qu'on n'arrive pas à s'accepter tel qu'on est. Concernant la dépigmentation, je suis totalement contre. Il n'y a rien qui puisse justifier le fait qu'une femme naisse avec un teint noir et qui, par la suite, change son teint en teint clair. Vraiment, il n'y a rien qui puisse le justifier. Peut-être un accident de la science, peut-être une maladie congénitale, oui. Mais le fait de se dépigmenter seulement pour faire plaisir à un homme ou bien à ses congénères, vraiment, ça n'a pas de sens. Moi, je trouve même que c'est un péché. Donc, à toutes mes sœurs qui le font, je vous prie, au nom de Dieu que nous craignons, d'arrêter. Parce que ça, c'est péché contre notre Seigneur. Est-ce que mon gars sait qu'il y a des gens qui veulent être à sa place actuellement? Je pense pas. On dirait qu'il ne le sait pas. Si mon ex arrive dans ta vie, sache que Dieu t'a déjà abandonné. Lingo, est-ce que ce n'est pas nous les hommes qui causons ces problèmes chez nos sœurs? Parce que nous avons tendance à donner beaucoup plus d'importance à ces femmes qui sont claires de peau. D'ailleurs, à l'Ouest Cameroun, on a tendance à croire que quand une fille est claire de peau, ça coûterait un peu plus cher. Ou alors, les filles noires sont un peu comme frustrées, sont un peu comme stigmatisées parce qu'elles ne comprennent pas toujours pourquoi ce sont... Quand elles marchent à deux, imagine-toi, toi... Tu es une fille noire, moi je suis une fille brune, n'est-ce pas? Quand nous marchons à deux, tu vois, on a les garçons aussi. Quand on regarde, c'est moi. La noire demande, c'est moi. Non, l'autre dit non. C'est elle. Donc on a tendance et ça peut quand même une certaine frustration. Oui. Oui. Et alors comment est-ce qu'il ne s'agit pas d'un réel problème qu'il faut d'abord combattre? Est-ce que nous ne devons pas nous remettre en question, nous les hommes, pour redonner la valeur, pour redonner la place qu'elle mérite à ces femmes, à ces mamans africaines noires? Ma maman est noire par exemple. On dit souvent, comme on disait chez nous au village, ce qui brille là, ce qui brille n'est pas or. Et partout les mouches se posent en masse. Ouais. Ça sent. Donc je me dis, quand il brille, mange beaucoup, on la cible. Et ça, c'est ça les vieux proverbes africains. Non, c'est les proverbes africains qui sont bourrés d'intelligence et de sagesse. Parce que vous allez voir que quelqu'un regarde sa femme. Ouais, non, c'est chaud. Quand elle peut l'aider, personne ne te regarde. Personne ne te regarde. Les gens sont heureux. Uh-huh. Moi non plus, c'est un problème moral, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de culture. Parce qu'une femme qui est brune, c'est pas forcément celle-là qui est la vraie femme. Voilà. Sauf qu'on appelle souvent, il y a souvent ce qu'on appelle... Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a souvent ce qu'on appelle, je vais dire quoi, vous avez dit un mot frustration. Oui. La stigmatisation. C'est aussi les gros mots. Oui, justement. Petit thème là, qu'on vous dit qu'il ne faut pas se dévaloriser. Oui. Quand on a confiance en soi, quand on a confiance en soi, oui, et qu'on sait ce qu'on vaut, la peau là, la peau n'est rien. Je vais prendre un simple exemple. Mais attends, Lincoln, je ne veux pas t'interrompre. Est-ce qu'une femme peut être noire et belle? J'ai dit noire et belle. Est-ce que. Vraiment. Ça, c'est des questions. Bon, attends. Est-ce qu'une blanche et un noir, est-ce qu'il y a un match en termes de beauté? La blanche, on sait que c'est la lumière. La lumière, c'est le noir et le blanc, même, mon frère. La lumière, c'est dans le cœur. Ouais, dans la tête. Toi aussi, mon frère. La lumière, c'est dans le cœur et dans la tête. Pourquoi nous voulons toujours faire semblant comme si. Je dis toujours aux gens. Il faut aussi quand même admettre que c'est la réalité. Le Dieu a créé la lumière et l'obscurité. Donc, l'obscurité représente peut-être que les Africains, les filles noires. Et la lumière dans les filles blanches, ça, tu vois comment? Ça, ce sont des préjugés que je n'accepte jamais. Voilà, j'en viens. Est-ce qu'on peut sereinement épouser une femme brune? Est-ce que la femme de la maison, la mère de la maison, non, Lingo, toi, tu connais, la femme de sortie, la mère de la maison, est-ce que entre la brune et la noire, vous qui regardez à la maison, laissez-nous les commentaires, entre la brune et la noire, laquelle préférez-vous pour le pot de fleurs, c'est-à-dire les filles de sortie? Et la femme de la maison, c'est-à-dire celle-là qu'on épouse et qui nous fait des enfants, par exemple, laquelle préférais-tu, Linko? Quel est ton choix? Moi, je n'ai pas de choix. Hey, comment ça? Je n'ai pas de choix au niveau de la couleur. Parce que la mienne n'est pas brune, n'est pas noire. Tu n'as pas les peaux de fleurs, les gens qui mettent les griffes comme ça là. Okay. Tu vois un peu le genre? Les filles qui mettent les ongles, ce n'est pas ça qui m'attire. Clair de peau, si tu es né comme ça là, c'est bon. Oui. Uh-huh. Mais si tu es le genre qu'on s'est vu hier, tu étais comme le micro-ci et le t-shirt-ci. Ouais. Le lendemain, tu deviens comme la lumière, il y a problème.
je ne peux plus te faire comprendre. J'avais dit qu'un jour, tu vas changer même ton cœur. Tu vas plus changer la peau, oui. Tu vas changer les cheveux, tu vas tout changer sur terre et finalement, je serai dans un lit avec la poupée et non un être humain. Les babies, les bébés babies. Voilà. Donc la fille, pour moi, là. N'en déplaise à certains, ils vont dire que les filles brunes sont laides et que ce sont les filles noires. Donc ça, c'est des habits très, très propres à ces personnes-là. On ne peut pas discuter, on ne peut pas nier ce qu'elles pensent. C'est ce qu'elles pensent là-bas. Certainement, elle va se justifier quelque part. Mais moi, je pense toujours que la femme est belle, peu importe son Surtout, garder son teint original. La vraie beauté. Restez authentique, restez naturel, restez propre parce que le Seigneur vous a créé tel que vous l'êtes. Si vous êtes brune, restez brune. Vous êtes noir, restez noir. Ouais. Vous êtes de teint clair, restez teint clair. Vous êtes teint chocolat, restez teint chocolat. Parce que de toutes les manières, l'authenticité, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus beau. De plus naturel, restons donc camerounais, restons africains, restons humains, restons sociables. Merci, c'était la fin de cette autre édition d'analyse et décryptage du net. Nous vous invitons à liker, à partager nos éléments sur le net, commenter surtout, n'oubliez pas les suggestions et surtout likez. Bye bye, à la prochaine, bye bye. Question du temps.